Vous vous souvenez donc que la semaine précédente, nous avions parlé assez longuement, d'ailleurs, juste quelques mots pour introduire ce nouveau cours. Nous avions parlé assez longuement du roi David qui était, et bien sûr, inscrit dans la généalogie du Messie. Lorsque l'on parle du Messie, il est absolument impossible de séparer l'idée de David. Elle est tellement importante que lorsqu'on commence cette généalogie, on parle du fils de David. Et que nous avions constaté que le début de l'évangile de Matthieu, avait les trois lettres de Adam, est très important. Parfois, les gens me posent des questions, ils me disent « Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Comment vous savez ça ?» Alors, évidemment, c'est de la recherche que l'on fait. Et pour savoir pourquoi Adam se trouve là, à côté de David, et c'est une recherche que nous faisons au niveau de la Torah et des textes hébraïques. C'est très important quand même de comprendre cela. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer de parler donc, de David, mais spécifiquement de Shaoul, le roi Shaoul qui était rejeté par Dieu. L'histoire de Shaoul, c'est toute une aventure très très importante dont je n'ai pas l'opportunité aujourd'hui, mais pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas pris la décision de le faire, de parler de Shaoul, parce que lorsqu'on parle de Shaoul, évidemment, et de son rejet, c'est toute une histoire, parce que vous imaginez que lorsqu'on regarde la faute, entre guillemets, la faute de David, elle paraît tellement plus grave que celle de Shaoul, mais en réalité, elle l'est moins. Donc, il y a tout un contexte dans ces récits, puisque Shaoul, lorsque lui, par sa faute, il a mis Israël en danger, complètement en danger, alors que David, il a fait une erreur, mais la nation d'Israël n'était pas en danger. Donc, c'est pourquoi il y a eu un très très grand problème qui s'est posé avec Shaoul et Dieu l'a rejeté. Donc, c'est de cela que nous allons un peu parler aujourd'hui et de l'importance, évidemment, de pouvoir garder l'onction. Lorsqu'on parle, nous avions expliqué que l'onction de Saül et de David était très importante au niveau du réceptacle qui avait été utilisé. Mais beaucoup, vous savez que Paul nous dit une chose, l'apôtre Paul nous dit une chose très importante, il dit que tout ce qui était écrit, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. C'est-à-dire que nous retirons toujours quelque chose à notre sujet. Ce que je voudrais dire souvent aux croyants qui demandent l'onction, certains vont dans des églises pentecôtisantes et autres et ils disent « je veux l'onction parce que je veux le don de parler en langue, je veux le don de prophétie, le don de parole de connaissance, etc. » Et vous savez, j'ai remarqué que souvent l'onction, c'est un peu une sorte de gadget pour les gens. C'est un petit quelque chose en plus qu'on a. Mais en réalité, sans l'onction, il est impossible d'avoir un ministère. Aucun ministère, aucune vie chrétienne ne peut subsister s'il n'y a pas l'onction. Et l'onction, vous vous souvenez que nous avions dit que c'était être messianisé. David a été messianisé comme nous sommes messianisés. C'est absolument indispensable de le comprendre. Et nous ne pouvons pas mettre, j'allais dire, un peu comme si c'était un jeu d'onction, mais ce n'est pas du tout ça. C'est le fondement même de toute une vie. Aucune vie avec le Seigneur, avec le Messie, en Dieu, ne peut exister s'il n'y a pas une puissante onction en nous et qui demeure. Et même parfois, nous nous rendons compte que même dans les actes des apôtres, à certains moments, il est dit qu'ils ont été renouvelés de l'onction. Pourquoi ? Parce que le temps qui passe, on a bien constaté, vous comme moi d'ailleurs, que le temps qui passe fait que parfois nous nous sentons un peu fatigués, on a envie de baisser les bras. Et parfois on crie au Seigneur et on lui dit « Mais redonne-moi de la force, renouvelle-moi, parce qu'autrement je ne pourrai pas. » Donc perdre l'onction, mes amis, perdre l'onction, c'est quelque chose qui est dramatique. Ça va entraîner des problèmes extrêmes, une perte d'onction, un rejet de Dieu. Et c'est terrible lorsque Dieu rejette ou lorsque Dieu retire son onction, c'est quelque chose de dramatique. Il y a deux versets qu'il ne faut jamais oublier. C'est celui où il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est-à-dire « N'attristez pas l'onction ». Et un autre verset qui dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne l'éteignez pas ». Parce que s'il est éteint, mes amis, mais c'est un drame pour les croyants. Ainsi,
le roi Shaul va connaître un rejet. Si vous voulez, il va être complètement, il va être rejeté. Dieu dit, je l'ai rejeté, je n'en veux plus. Alors ce qui est terrible dans cette histoire de Shaul, c'est qu'il est rejeté, mais qu'il continue d'avoir la fonction royale. Mais lorsqu'on a un ministère de roi, puisque le roi c'est un ministère, et qu'on perd l'onction, alors ça devient un véritable délire, et tout va dans tous les sens. Celui qui perd l'onction, mes amis, va produire en lui et vers les autres des attitudes d'une violence extrême, d'une jalousie absolument extraordinaire. Et Shaul va se rendre compte que David, il va se rendre compte que tout ce que David fait réussit. Et lui, il n'y a plus ce quelque chose en lui qui lui permet de réussir. Et la Bible nous enseigne qu'il est devenu extrêmement jaloux de David. D'où vient cette jalousie de David chez Saül? C'est à cause de la perte d'onction. Il y a quelque chose en lui qui l'a mis dans un état absolument second. Nous allons lire le texte si vous voulez. Et vous avez reçu tous, je suppose, les documents que je vous ai envoyés. Donc, mais voilà, mais je vois que tu l'as imprimé, c'est magnifique. C'est quand même formidable la technologie, hein, quand même extraordinaire. Hein. On n'aurait jamais pu faire ça. Hein. Vous savez que la première fois que j'allais, quand j'ai commencé d'aller en Afrique, donc ça fait déjà beaucoup d'années, hein, c'était dans les années 87, je suis parti en Afrique pour la première fois. Donc vous imaginez le nombre d'années, 87, ça fait 13 et 20, ça fait enfin, presque 35, 36 ans, j'étais déjà là-bas en Afrique. Quand on organisait une mission là-bas, mais ça prenait presque 6 mois à 7 mois pour organiser. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, le courrier n'arrivait en général pas. C'était vraiment très, 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 très compliqué. Aujourd'hui, on a un avantage, on a Internet, et malgré tous les défauts d'Internet, c'est quand même un grand, grand privilège. C'est qu'aujourd'hui, ben voilà, on a une feuille, et puis à l'autre bout du monde, là au Canada, à 10 000 km de la maison, on se voit et on peut encore recevoir les documents, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire ensemble ces documents. Je vais vous les expliquer et on va en même temps commenter donc le texte à partir du verset 14 du chapitre 16 dans le livre de 1 Samuel. D'accord ? Donc voilà, je le lis, si vous avez votre Bible ou votre Bible en français ou en hébreu ou je ne sais quelle langue, je ne sais pas, vous pouvez prendre et puis nous lisons. Et je commence la lecture. L'Esprit de l'Éternel se retira de Shaul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Shaul lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Quand notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Shaul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe ou d'Ishaï, Bethléhémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Shaul envoya des messagers à Ishaï pour lui dire, « Envoie-moi, David, ton fils qui est avec les brebis. » Ishaï prit un âne, etc. Et j'arrête la lecture ici. On va donc regarder le texte que je vous ai envoyé, je vais vous le mettre en ligne.
Et puis, on va commenter les textes. Avant d'aller plus loin, avant de commenter le grand texte, je vous ai envoyé deux feuilles. Vous les avez reçues toutes les deux, je suppose. Sur la deuxième, il y avait donc un mot que j'ai écrit. C'était le mot « Ouviataou ». C'est lorsqu'il est écrit « L'esprit de l'Éternel se retira de Shaoul qui fut agité ». Vous regardez sur votre feuille le mot « Ouviataou ». J'ai écrit en dessous les différentes traductions de ce mot. Donc vous comprenez que l'on peut très bien, dans un texte comme celui-là, lorsqu'on fait une traduction, ben choisir un texte, choisir un autre mot, choisir une autre... si quelqu'un me dit qu'il n'a pas reçu, il faut peut-être que tu regardes, Simon, dans les spams, tu sais, dans les indésirables. C'est possible que les documents se mettent dans les indésirables. Parce que normalement, tout le monde les a reçus, ils sont tous partis. Donc, si jamais tu ne les avais vraiment pas, je te les renverrai. Mais normalement, tout le monde les a reçus, d'accord? Alors, il faudra que je te les renvoie, c'est qu'il y a eu un problème de connexion, peut-être avec ton email. Mais sinon, je te les renvoie. Maintenant, c'est impossible, bien sûr. Donc, il est écrit qu'il se retira et Saül fut agité. On peut choisir épouvanté. On peut choisir troublé. On peut choisir agité ou inquiété. Donc, lorsqu'on fait une traduction d'un texte comme celui-là, eh bien, certains vont traduire agité. Mais je pense que les quatre mots fonctionnent tous ensemble. Parce que au moment où l'esprit se retire de Shaoul, quelque chose se produit. Vous savez, mes amis, que lorsque on a le Saint-Esprit en nous, on a tellement habitué à sa présence. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais nous sommes si habitués à sa présence. Il y a quelque chose de tellement habituel qu'on a même que ça devient le naturel de notre vie. Mais je vous affirme que si l'Esprit de Dieu devait se retirer de nous, s'il devait se taire ou se retirer de nous, et si nous étions replongés véritablement dans le monde, comme le monde vit sans Dieu, mes amis, je crois que nous ne pourrions même plus le supporter. Je vous dis cette vérité parce que je ne vous parle jamais de l'expérience d'un autre, je ne vous parle que de moi-même. Je ne vous cache pas mes succès. Et je ne vous cache pas mes échecs et mes difficultés, parce que nous sommes tous des humains avec des moments de grandes difficultés dans la vie. Depuis que je sers le Seigneur, depuis 50 ans, j'ai eu des hauts et des très bas, et souvent c'était très difficile. Et je me rappelle d'une période de ma vie qui était si compliquée que et pourtant elle n'était pas partie, mais il me semblait que l'Esprit du Seigneur m'avait quitté, m'avait laissé. Et à ce moment-là, j'étais dans un état épouvantable, épouvantable. Et pourtant, il était encore là. Il n'était pas parti. Mais je me sentais tellement vide. Et lorsque la situation est revenue à une norme, je dirais de vivre avec le Seigneur, dans sa présence, de reconsacrer totalement à Dieu, quelque chose est venu dans mon esprit. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que c'est très vrai. Je vous parle avec mon cœur, toujours avec mon cœur. On fait seulement du texte hébreu, mais je vous parle avec mon cœur. Et quelque chose m'a dit à cette époque-là, au moment où je suis, où le Seigneur m'a ramené à lui. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, comment il m'a ramené à lui. Quelque chose dans ma tête, dans ma pensée est venu. Et le Seigneur m'a dit, fais très attention, n'abandonne jamais plus. N'abandonne jamais, plus jamais, parce que le diable est capable de te tuer. Mes amis, je vous dis une vérité, on ne joue pas avec l'onction. Et pourtant, le Seigneur ne m'avait pas quitté, mais j'étais dans une situation extrêmement compliquée. Donc, lorsque je lis l'histoire de Shaoul, la Bible est absolument, mais c'est terrible ce texte. La Bible nous enseigne que l'Esprit s'est retiré de Shaoul. Il s'est retiré de lui. Il a perdu la fonction royale. Tout en exerçant la royauté, il n'avait plus la force nécessaire pour cela. Et c'est pourquoi le texte nous dit « Ouviataou », c'est-à-dire « Il était épouvanté, mes amis. Perdre l'onction, c'est épouvantable.
Et voilà que Shaoul est épouvanté. Il est complètement agité. Il est troublé. À certains moments, lorsque l'esprit le prend, cet esprit le prend et lui et met en lui une pression, quelque chose d'insupportable. Un homme ou une femme qui ont vécu dans l'onction, mes amis, qui ont vécu dans l'onction et qui subitement quittent volontairement le Seigneur pour une raison ou une autre, où l'esprit se retire, ils l'ont tellement attristé. Vous savez qu'il y a des gens qui attristent profondément l'esprit jusqu'à ce qu'ils se retirent. Mes amis, ça produit une situation d'inquiétude. Je vous encourage, mes amis, je vous le dis sérieusement, n'abandonnez jamais l'onction. Faites attention, n'attristez jamais le Saint-Esprit. Et si vous l'avez attristé, revenez vite et dites, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. J'aime beaucoup le texte hébreu qui nous dit toujours « na ». Non, ça veut dire s'il te plaît, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, parce que je suis dans une inquiétude profonde. On s'étonne parfois de voir des chrétiens dans des états épouvantables, mes amis, épouvantables. Les gens m'écrivent, ils me disent, est-ce que je peux vous téléphoner? Il faut que je règle un problème, je ne peux pas y arriver. Alors, mes amis, mais on est submergé de ce genre de problème parce que les gens n'ont pas pu garder l'onction. Quelque chose ne va pas. Shaoul est dans une situation dramatique. La Bible nous dit, et il était complètement épouvanté. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce qui s'est passé dans cet homme, mais il est passé de l'onction, c'est-à-dire dans la lumière, dans des ténèbres épouvantables. Et à ce moment-là, quelque chose va se produire. Mais lisons le texte. Si vous voulez, on va le lire en hébreu. D'accord, on a, je vous ai envoyé le document, donc lisons-le en hébreu. Et l'esprit, il est écrit, l'esprit de l'Éternel se retira de Shaoul et qu'il fut agité. Non, en hébreu, c'est écrit, « Ve ruar Adonai sara mehim Shaoul » et l'esprit, non, « Ve ruar », le « ruar », c'est l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Alors, petite parenthèse sur « ruar ». C'est intéressant de faire des petites parenthèses, parce que Rouar, des personnes ont dit, oui, Rouar, le mot esprit, c'est un mot féminin. En réalité, en français, on dit un esprit, c'est masculin. En hébreu, les gens ont dit, Rouar, c'est un mot féminin. La réalité est absolument pas celle-là. La réalité est que le mot Rouar est à la fois féminin et masculin. Il a les deux types, il est masculin et féminin. Donc, à certains moments, mais la majorité du temps, la majorité des temps, il est féminin, mais il y a quatre cas particuliers dans la Bible où ce mot est au masculin. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui est capable d'engendrer, féminin, il est incapable en même temps de donner de la loi, il est totalement masculin. Ainsi le mot ruar, verruar, est l'esprit d'Adonai, l'esprit de l'Éternel. Vous avez remarqué que dans le mot... Ah, je vais vous mettre en ligne parce que je vous dis que je le mets, puis je ne le mets pas, je l'oublie. Je vais vous le mettre en ligne. Hein. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Voilà. Je pense que vous pouvez le voir, oui. C'est OK? Vous le voyez bien. Donc, voilà ici, je vais prendre... Voilà. Donc nous avons le mot verrouar ici. Voilà. Vous le voyez, c'est-à-dire et l'esprit. Et l'esprit. Le V ici, c'est le E. D'accord? Vous vous souvenez toujours que c'est le mot lien. Verrouar. D'accord? Adonai. Je vous avais remarqué que j'ai fait volontairement de ne pas marquer, je n'ai pas écrit volontairement les voyelles parce que c'est un tétragramme, c'est-à-dire c'est le nom de l'Éternel. Lorsque vous voyez Yud, He, Vav, He, d'office maintenant, vous devez savoir que c'est le tétragramme qui signifie l'Éternel. Donc, et l'Esprit de l'Éternel, alors Sarah, c'est pas Sarai, la femme d'Abraham, c'est pas Sarah, c'est une autre racine.
vous avez cette racine avec un samer au début, qui signifie cesser, qui signifie aussi défection, quelque chose qui va s'arrêter. On a commencé, mais on s'arrête. C'est, j'ai écrit donc tous ces mots, je les ai écrits expressément sur votre feuille, que vous puissiez avoir les différentes traductions. Donc, et l'esprit de l'Éternel, il a perdu une notion, mes amis. C'est là la terrifiante histoire. Il a perdu une notion d'éternité. C'est l'esprit de Dieu qui donne cette pensée d'éternité. Cette pensée, elle nous soutient, elle nous conduit dans la pensée éternelle. C'est pourquoi l'esprit de l'Éternel, il va cesser, il va faire une défection. Pourquoi ? Parce que il y a eu quelque chose qui s'est produit. C'était tellement grave ce qui s'est produit. On était au bord de la destruction, on est au bord d'une destruction du peuple d'Israël à cause d'une erreur du roi Shaoul. Alors le texte ici, évidemment, en hébreu, c'est quasiment intraduisible. Ici, le mot que vous voyez ici, Mehiem, c'est un mot particulier parce que c'est un mot qu'on pourrait traduire avec un yud, ici, si on mettait un petit yud ici, on pourrait traduire le mot entrailles. C'est pourquoi la traduction, elle dit que l'esprit de l'Éternel se retira, c'est-à-dire qu'il a cessé, il est sorti du plus profond de Shaoul. Quand on dit mes entrailles, c'est quelque chose qui est en moi profondément. C'est pourquoi ce n'est pas, j'allais dire, quelque chose d'un peu superficiel qui s'est produit. C'est quelque chose d'absolument dramatique. L'esprit de l'Éternel s'est retiré du plus profond de Shaoul. Verroir Adonai Sarah Mehim Shaoul est l'esprit de l'Éternel. Se retire du plus profond de l'être de Saül. C'est une chose terrible. C'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une terrible épouvante. Il commence à s'agiter. Il ne peut plus se contrôler. Lorsque l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un, mes amis, ils sont sans contrôle. Vous savez que l'Église, les croyants, nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui va nous contrôler. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fruit de l'Esprit qui contrôle l'homme Shaoul n'est plus en lui. Et le fruit de l'Esprit n'est plus là. Ainsi, il va produire l'inverse de ce qu'il doit produire. Il va commencer d'avoir de la jalousie, de la haine contre David, jusqu'à vouloir tuer. Il sait que cet homme a été loin de Dieu et que Dieu est avec lui en tout ce qu'il fait, mais lorsque l'esprit se retire, il n'a plus aucune possibilité de pouvoir gérer le fruit de l'esprit. Lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, mes amis, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Paul ne parle pas des choses humaines, il parle des choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ainsi, lorsque l'Esprit se retire, Shaoul lui-même est complètement incapable d'encore gérer le minimum ses sentiments. Il ne peut plus gérer, c'est terminé.